Un vol du Boeing 767 de la piste de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gandin. 296 pèlerins viennent ainsi d'embarquer pour le Hajj 2016. Mais avant le décollage, ils reçoivent la visite d'une délégation du gouvernement. Avant votre départ, au nom du président de la République, le président Patrice Talon qui est en voyage. Il serait venu lui-même, mais il est en voyage. Il m'a demandé de vous dire que tout a été mis en œuvre par le comité préparatoire pour que votre départ se fasse dans de bonnes conditions. Et grâce à Dieu, vous partez là, vous allez partir tout à l'heure. Là-bas, vous allez trouver des équipes, vous allez trouver les gens du consulat général qui sont là et qui vous attendent. Donc, je vous demande, je vous supplie, faisons tout pour que l'image de notre pays reste une bonne image là-bas en Arabie Saoudite. Quelques pèlerins apprécient. On est content de notre président Patrice Talon. On est content de lui parce que cette année-là, ce n'est pas difficile comme des années qui passent. À cause de ça, on est content et on a remercié tout le gouvernement de Patrice Talon. On veut le prier qu'on va faire là, que Dieu va prêter tout. Et tout ce qu'on va faire à la Mecque là, Dieu va nous prêter ça. Je suis avec les parents. Mes premières impressions, ce sont d'aller bien faire le Hajj et de prier aux autres pour qu'ils aussi vont au Hajj l'année prochaine. Je prie pour ceux qui sont malades à la maison. Je prie aussi pour ceux qui sont en difficulté et autres. D'autres vagues de voyage vont suivre dans les prochaines heures.